en fait, je m'appelle Yannick Edom, je suis un illustrateur freelance, pas professionnel. Je suis surtout issu du milieu de la musique, j'ai signé une cinquantaine de pochettes de disques pour des musiciens assez underground, comme Oliam, ADN Crystal, Bertrand Laureau, Christophe Poisson, des gens de la musique électronique. Et depuis quelques temps, j'ai rejoint Hypemedia, notamment pour en tant qu'illustrateur, pour amener ma pierre à leur édifice. Et voilà, depuis quelques temps, je fais énormément de dessins en noir et blanc pour promouvoir un peu le noir et blanc, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui se perd, et ça, c'est un peu dommage. Et je suis surtout influencé par tout ce qui est super-héros, parce que depuis le gamin, je suis tombé dedans, et voilà ce que ça donne. Tout ce qui est fantastique, science-fiction, tout ce que je fais, ça tourne autour à peu près de ça. Et parallèlement, ça me permet des fois de travailler sur des projets un peu plus particuliers, comme le rallye du Polar qui a été fait en octobre, où j'ai dû designer les personnages de ce rallye enquête du Polar du Sud. Ouais. J'ai une page Facebook, donc c'est yannick.edom.art. Et sur Facebook, voilà, c'est venez nombreux, likez-moi, comme ça fera très bien. Bonjour, donc c'est John Lancry en direct du TGS Toulouse Game Show 2015. Illustrateur, auteur de bande dessinée, de Zombie la BD dont vous êtes le héros, chez Macaca Edition. Voilà, je suis sur le stand de Hypemedia avec mes petits prints, mes petits dessins, mes petits sketchbooks, mes petits artbooks. Alors, Zombie, la BD dont vous êtes le héros, c'est exactement le même principe que les livres dont vous êtes le héros, que la plupart d'entre nous ont joué dans leur jeunesse. Et sauf qu'à la place du texte, c'est tout simplement des images. Et la particularité de ce livre-là, c'est on peut jouer soit une survivante, soit un zombie, et il faut sortir de la ville. Voilà, il y a 6 fins différentes en tout dans le livre, donc ce qui permet de pas mal rejouer pour pouvoir essayer de trouver un petit peu toutes les possibilités qu'offre le jeu, puisqu'on va l'appeler comme ça, en fait c'est un jeu. Voilà. Donc Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr, DeviantArt, vous tapez John Lancry et vous retrouverez probablement tout ça en première page de la recherche. Voilà. Je m'appelle Sébastien Cosset, je suis dessinateur, auteur et auto-éditeur. Et je viens proposer ma production sur le TGS. Je propose mes livres, donc 3 livres jeunesse et 2 livres adultes, et basés sur l'humour surtout. J'ai une page Facebook, Sébastien Cosset, et j'ai un site srcosset.com. Voilà. Et tous mes livres sont visibles dessus. Donc bonjour, je suis Sue. Je suis présente sur le stand de Hypemedia pour le TGS. C'est la 2e édition à laquelle je participe. Je suis originaire de Toulouse, mais je travaille à l'étranger, surtout aux États-Unis et en Europe. J'ai l'occasion ici de présenter mon travail en France lors de festivals de comics BD et cette année sur plusieurs sites d'exposition. Ici, je présente mon dernier livre. C'est un artbook qui représente mon travail d'une dizaine d'années, ainsi qu'un livre collectif avec l'artiste Maloro. Je présente aussi des sérigraphies ainsi que des cartes postales et des goodies pour privilégier un public beaucoup plus large. Donc, vous pouvez me suivre sur mon site internet sue.eu, aussi sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Ainsi que sur le site de Hypemedia, qui est notre partenaire pour le festival. Bonjour, je m'appelle Sébastien Nassiette Saldoubert. Mon pseudo d'artiste, c'est Malojo, le mauvais œil. Je viens de Bayonne et je vis à Toulouse. Je suis peintre et dessinateur. Et je travaille principalement à l'étranger, aux États-Unis et en Europe. Cela s'inscrit dans un mouvement pictural qu'on appelle le Lobro ou le pop surréalisme, qui est un mouvement américain né dans les années 70 en
réaction à l'intelligentsia de l'art contemporain et qui s'inspire de tout ce qui fait la culture populaire et on va dire la culture traditionnelle, les arts traditionnels, donc la peinture, la sculpture, des choses comme ça. Et la bande dessinée, la science-fiction, les films d'horreur, voilà. Un joyeux mélange de 4000 ans de culture générale. Alors j'ai un site internet, c'est malojoart.fr et sur Facebook Malojo Sébastien Assiette Salle d'OBR. Voilà, c'était un peu compliqué mais c'était obligé. Et moi c'est Chris Space Blue, je suis auteur photographe, donc artiste. Je réalise des tableaux photographiques dans l'univers geek, donc soit le monde du jeu vidéo, le monde du manga, du comics, du DeviantArt. L'idée, c'est de pouvoir démontrer aux gens qu'il est encore possible de faire de belles photos en utilisant le moins possible Photoshop. Donc en maîtrisant la lumière et en travaillant essentiellement sur les techniques photographiques qu'on utilisait à l'époque en argentique, mais qu'on réapplique au numérique. On a décidé de faire une exposition au cours de ce Toulouse Game Show 2015 dans le but de pouvoir montrer au grand public les réalisations que je faisais et en même temps de pouvoir donner une idée aux gens qui suivaient mes créations sur internet de ce que pouvaient donner les photos en vrai sur tirage papier, vu qu'à aujourd'hui on a tendance à oublier le tirage papier et à se concentrer uniquement sur le numérique. Donc il y a rien de plus beau qu'une photo tirée sur papier. Mon objectif à moi personnellement, c'est de faire vivre cette culture geek. Je suis de la génération 80, donc j'ai grandi avec Goldorak et le Club Dorothée. Le but, c'est d'arriver à transmettre cette culture à mes enfants, aux autres générations, au travers de ces différents tableaux qu'on peut retrouver donc soit sur ma page Facebook, Chris Space Blue Artist, soit au travers d'Hype Media, qui est une association donc, qui porte différents artistes aujourd'hui. Et qui me met régulièrement en avant au travers de différents articles ou événements sur lesquels je suis invité. Bonjour à tous, je suis Cyr Cédric, je suis auteur de romans qui mélangent divers genres, fantastique, aventure, action, horreur. Mon tout dernier livre paru s'appelle « Avec tes yeux ». C'est un thriller, donc un roman de mystère, d'angoisse, qui se passe dans les Yvelines, aujourd'hui donc en France, et où mon envie est de plonger le lecteur dans un cauchemar éveillé, si je fais bien mon boulot, et que vous soyez capable d'ouvrir le bouquin et d'oublier tout ce qui se passe autour de vous, et de oublier votre arrêt de bus ou de métro. Et donc, c'est mon 9e livre, et j'étais donc ici au Toulouse Game Show toute la journée pour le présenter, parler de mes autres également, ma série policière surnaturelle, commencée par Deux fièvres et de sang, que je n'ai plus sur le stand, qui se poursuit par le premier sang et qui s'achève pour l'instant par La mort en tête, dernier volume des aventures de ma policière albinos Eva Svarta et de son compagnon Alexandre Vauvert, qui lui est flic toulousain. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook et ou mon site internet www.cyr-cedric.com.